On y est, on est en pro. Tiens là, c'est la médaille, la première en pro. Aujourd'hui on est en pro, donc c'est vrai qu'on a du mal à réaliser, mais on y est quand même. Alors en or, écoute, je sais pas s'ils auraient pu trouver mieux. En tout cas, moi c'est ma deuxième, je savoure. Non, c'est la première pour une longue série là. Tu sais que t'as personne au-dessus de toi. Que du bonheur. Être premier champion de France cette année, c'est une belle récompense. Plus qu'une simple récompense, l'apothéose d'une saison au rythme infernal, menée de main de maître par le SOMB. 44 matchs disputés en l'espace de 8 mois, 32 victoires et un leadership jamais contesté. Le sacre d'un groupe acharné dont les relations dépassent le cadre du sport professionnel. On a une très bonne relation avec le coach, avec le GM, avec les bénévoles, avec les gens qui travaillent dans les bureaux. On a très bonne relation avec tout le monde. On a très très bien travaillé cette saison. On est tous des bosseurs dans cette équipe. Et les coachs compris nous ont bien fait bosser et c'était du travail de qualité. Moi j'ai vraiment kiffé cette saison jouer pour lui et c'est vraiment le meilleur coach pour lequel j'ai joué pour l'instant dans ma carrière. On a eu des bons mecs, déjà il faut le noter qu'on a eu des très très bons mecs, je parle pas de basket là, je parle humainement. Les garçons ont été contents d'être là, ils étaient contents d'être ensemble, ils étaient contents de passer du temps ensemble. Donc quand tu as gagné ça, tu as gagné beaucoup de choses. La réussite, elle est avant tout humaine. Les buts, ce sont des collaborateurs et 6 mois après, ce sont tous des amis. Donc voilà, notre réussite, elle est là, elle est basée sur l'amitié. Voilà, c'est essentiel. C'est plus que des coéquipiers, c'est plus que la famille, comme on dit. Titré à Évreux en milieu de semaine, Boulogne reçoit Poitiers pour le dernier rendez-vous de la saison. L'occasion d'offrir dans une salle en fusion une dernière victoire à son public après une saison incroyable. À la pause, le scénario est parfait, plus 13 pour les tout nouveaux champions de France. On n'a pas préparé le match. Moi, j'ai regardé un petit peu Poitiers, mais les joueurs n'avaient rien préparé. C'était là ailleurs, donc on essaie de faire la fête, faire plaisir au public. Donc tu joues, mais sans un réel but. Donc après, c'est ce qui s'est passé. Hein. Au retour des vestiaires, le SOMB est rattrapé par le manque d'enjeu de la rencontre. Les Boulonnais enchaînent perte de balle et manque d'adresse. Poitiers en profite. Et malgré ce tir à 3 points réussi par le capitaine Angelo Tsagarakis, Poitiers crucifie Boulogne dans les derniers instants du match. Une défaite finalement anecdotique qui n'empêche pas Dan Raymond de communier comme il se doit avec ses héros. C'est une ambiance de malade, c'est voilà, dans le nord c'est comme ça, c'est convivial. Le public boulonnais, il a été fabuleux, il a transformé les jeux, ça s'est vu dans le visage des joueurs. Je savais pas qu'il y avait tout ce monde là. Donc là, il y a même mon pote qui est venu là, je dis vas-y viens, je vais... Tu sais, tu peux rentrer vite fait, ici il n'y a pas trop de monde, donc t'inquiète, tu sais, tu peux rentrer en scène. Alors qu'en fait, il y avait tout le monde qui était là.